J'ai vraiment hâte d'arriver au Floating Stadium. Le soleil. Le surf. La buffet de fruits de mer à volonté. Ce stade flottant n'est pas si cool que ça. Ça n'a évidemment pas le moindre rapport avec le fait que Liquido joue ici. N'est-ce pas? Non. N'empêche que ce type n'est rien qu'un sale crimeur. Arrête, vieux, là. Écoute, vous êtes en compétition permanente, tous les deux. Ton capitaine a raison, Norshaw. Ne laisse pas ta rivalité prendre le pas sur ta responsabilité au sein de l'équipe. Il est où, le Floating Stadium? Le voilà qui arrive, justement. Ok, d'accord, ça c'est carrément cool. Responsabilité en eau profonde. Hey, North, Liquido. Alors comment vas-tu, mon frère? T'es encore plus lent que quand t'es sur le terrain. Et tes blagues, elles sont encore pires que ta façon de surfer. Très bien, votre attention, s'il vous plaît. Prêt pour aller visiter les installations? Le Floating Stadium a connu un grand nombre d'améliorations majeures depuis notre dernière visite. Notre objectif est de parvenir à rester en immersion pendant un mois complet. Notre oxygène est directement extrait de l'eau de mer. Les nutriments issus des algues nous fournissent la nourriture. Puis cette piscine est notre accès direct à l'océan lorsque le stade est immergé. Wow! Et ça, c'est quoi? Des modules aquatiques à propulsion. C'est pour les travaux de maintenance sous-marins. Nous, les pros, on appelle ça un MAP. Mais je crois bien que pour toi, ce sera le nom complet. Puis ici, vous découvrez notre dernière trouvaille. Ce ballon convertit l'énergie cinétique en électricité. Peut-être qu'un jour, nous serons en mesure d'alimenter le stade tout entier grâce au football qui se jouera dans son enceinte. Puis pour finir, la salle des commandes. C'est ici qu'on supervise l'ensemble des opérations liées au stade, ce qui comprend l'immersion puis la flottaison. C'est dommage qu'il n'y ait pas de bouton pour faire de toi un meilleur joueur. Ah ouais? Oh ouais! Ouais, c'est ça! Ouais, c'est ça! Non, chaud. Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de ta rivalité avec... Monsieur Delacroix, orage catégorie 5 en approche. Ah, quelle meilleure manière d'achever notre visite. Vous êtes sur le point d'expérimenter l'une des plus grandes merveilles du monde. Ursula? Les Hydras sont l'équipe la plus rapide de la Super League. Grâce à leur rythme soutenu, ils parviennent à enfoncer la défense adverse. Laissez la moindre ouverture et ils s'engouffreront dedans. Les défenseurs, vous resterez en formation constamment. Vous ne vous mettrez à tacler qu'en cas d'absolue nécessité, compris? Vous en faites pas, coach. Je vais m'occuper de ce blaireau de Liquido. Je ne m'intéresse pas à ta petite guéguerre contre Liquido. Ce qui m'importe, c'est que vous jouiez en unité défensive. Shakes, Tiger. Offrez aux défenseurs tout le soutien que vous pourrez. Wow. Très beau travail, les défenseurs. Parfait. On déchire, mon pote! On déchire!
leur défense m'a l'air vraiment très solide. Mais je sais comment pallier à ce problème. Une bonne ration d'extraits protéinés d'algues. Bon appétit, c'est chouette la bouffe du futur. Où est passé le délicieux buffet de fruits de mer? On l'a supprimé. La poiscaille ne supporte pas bien l'atmosphère confinée de cet endroit. Tu peux oublier les fruits de mer, Big Bo. Ha, j'ai quelque chose qui est de loin bien meilleur. Des Ocean Bounties. Tentacule Team serait prêt à tout tenter pour poser ses ventouses sur ces délicieuses céréales. Prenez garde à lui dans l'obscurité des profondeurs. Leur ingrédient secret est un véritable délice. Leur ingrédient secret, c'est du sucre. North Shore. Liquido. Quel dommage qu'on soit coincé à l'intérieur, mon frère. Autrement, j'aurais pu te donner quelques leçons de surf. Nargue-moi autant que tu veux, Liquido. Ça ne marchera pas. Si tu veux pêcher, t'as tout ce qu'il faut juste là-dehors. En parlant de dehors, justement, je me suis mis à un tout nouveau sport extrême, figure-toi. La course de map. Wouh! C'est vraiment intense, les sensations qu'on a. Mais ça doit être un peu trop extrême pour toi, non? Ha! Je savais que tu ne refuserais pas un défi extrême. On fait le tour du stade et on revient par en dessous. T'es prêt ou pas? Un peu que je suis prêt. 3... 2... Oh! Liquido! Double ration d'algues, rien que pour toi. Quoi? Ah! Oh? Tentacule Team serait prêt à tout tenter pour poser ses ventouses sur ces délicieuses céréales. Prenez garde à lui, dans l'obscurité des profondeurs. J'aime pas ça, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Viens tenter, mec. Mais si tu penses à m'avoir, t'es vraiment à côté de la plaque. Ça doit être carrément embarrassant. Oh! C'était trop facile. Ouais, c'est facile quand tu triches. Oh, Liquido. Hein? Oh oh. Tentacule Team n'existe pas en vrai. Tentacule Team n'existe pas. C'est Tentacule Team qui arrive. Liquido, j'arrive pas à croire que t'aies fait ça. Votre attention, tous les joueurs sont attendus sur le terrain immédiatement. Ah, oh, le coach va sûrement être furax quand il va apprendre que c'est toi le fautif. Ouvre les yeux, mec. On va tous les deux s'en prendre plein la tronche. Il y a peut-être intérêt à se la jouer discret sur ce coup-là.
Ouais, on fait en sorte de bien la fermer l'un et l'autre, et je pense que tout ça passera crème. Est-ce que tout le monde va bien, personnel ici? Il y a un dysfonctionnement dans notre système central. Seulement, je m'explique pas pourquoi. Moi, oui. C'est incontestablement l'œuvre de... Tentacule Team! Oh. Non, sérieux, mon frère. Vas-y vraiment mollo sur le sucre. Ce qui signifie malheureusement que nous n'aurons pas assez d'électricité pour remonter à la surface. Quoi? Mais pas d'inquiétude. Le stade peut aisément faire face à la situation jusqu'à ce que le circuit soit réparé. Mais le match est dans quelques heures. Et alors? On n'a qu'à jouer quand même. Mais les supporters, on en fait quoi? Comment est-ce qu'ils vont faire pour m'admirer en train de marquer? Ça, c'est mon boulot. Dez, de l'équipe de football 360. Yes! Peu importe où on joue, je suis sûr que les supporters seront derrière nous. Tu dois vouloir dire au-dessus de nous. C'est jour de match en direct du Floating Stadium. Enfin, plus précisément, depuis au-dessus, pour tout dire. En effet, Brenda, le stade pourtant impressionnant des Hydras est piégé sous le niveau de la mer, mais il se déroulera bien conformément au calendrier. Et vous ne perdrez pas une seconde de ce match grâce à notre précieuse équipe de cadreurs qui se résume à une personne. Ouais, 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 ouais. Et c'est parti. Et Hydra impose immédiatement son rythme en contournant la ligne de milieu de terrain des Super Strikers. La défense! Maintenez vos positions! Est-ce que la défense s'en sortira mieux face aux Hydras que leurs coéquipiers? Oui! Oui! Et encore oui! North, Block et Eagle Eye possèdent parfaitement leur territoire! Ce, en dépit du fait qu'ils soient sous l'eau. Leur défense nous donne du fil à retordre, les gars! Y a pas une seule brèche où on peut s'engouffrer! Ha! Pas de panique! Je sais ce qu'il faut faire pour que North Shore relâche son attention. Ben quoi, North? T'attends quoi au juste, mec? Garde ta position! Viens la chercher, cette balle! North! Qu'est-ce que t'as, blondinet? T'as peur de perdre contre moi? Exactement comme t'as perdu lors de cette course. Abruti! Qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de North? Il a abandonné ses équipiers, les laissant totalement exposés. But! Les Hydras prennent la tête de cette rencontre. Wouhou! On est les meilleurs! Ouais, ouais, bravo! Ouais! Non, non, non! Blablabla! Les Quido! Les gars! Si j'étais leur coach, j'envisagerais la suspension de North! Il semblerait même que ce soit l'équipe entière qu'ils suspendent. Et je crois savoir pourquoi. La verrière du Floating Stadium s'apprête à céder! Non. Hein? Quoi? J'arrive pas à y croire. Tentacule Team serait prêt à tout tenter pour poser ses ventouses sur... Ah! Mes céréales! Liquido! Tout ça est entièrement de ta faute! Il faut absolument qu'on fasse quelque chose! Y a rien qu'on puisse faire, mon frère. À d'autres! C'est ton terrain ici, bon sang! Moi, jamais j'abandonnerai Strike Island! D'autant que... Je croyais que t'étais du genre à jamais fuir devant les défis extrêmes. Oh non! L'un des maps a disparu. C'est encore Tentacule Team! Prends-les! Vas-y, prends-les toutes! Espèce de monstre cruel! Mais t'as mangé quelle quantité de ce truc? 10 ou bien 20? Boîte à l'utopie! Sérieux? Toi, mon pote, t'es très clairement un cas unique de folie sucrière. Bon, si Tentacule Team n'a rien à voir dans tout ça, alors c'est qui? C'est nous. Quoi? On a fait une course avec les maps. Et on s'est écrasé sur le stade. Mais vous en faites pas! Ouais. Vous allez pouvoir regagner la surface. On va remettre en ordre tout ce bazar.
Et comment est-ce que vous comptez faire ça alors qu'il n'y a pas d'électricité? Oh oh, on a sous la main une des sources d'énergie les plus puissantes de tout l'univers. Notre rivalité. Plus on frappera ce ballon, et plus on générera d'énergie. Waouh! Ça va nous obliger à faire des trucs de ouf, ça! Ouais, mais ça vaut largement le coup. Ouais, mais va en falloir des coups encore et encore! Peut-être qu'il n'est pas encore trop tard pour remonter à la nage. Vous n'apprendrez jamais rien tous les deux. La vraie puissance repose sur le collectif. Blablabla. J'aurais pas dit mieux. Absolument, Norse. Nous venons à peine de recevoir une information extraordinaire. Les équipes de la Super League jouent en général pour finir en tête du classement. Mais aujourd'hui, ils vont jouer pour sauver un stade. Et il semblerait que même les fans aient eux aussi décidé de se serrer les coudes. Et on ne peut que saluer cette attitude, car aujourd'hui, les deux équipes sortiront gagnantes, ou alors les deux perdront. Powerball connecté. Et c'est parti! Les deux camps vont s'affronter l'un l'autre, mais dans un but qui leur sera commun. Oh! Et les Hydras marquent! Et cette fois, c'est un but des Super Strikers! Votre attention! Accumulateur énergie 50%! Gardez le rythme! Alors ce match ne rapportera aucun point au classement de la Ligue. Pour autant, il restera comme l'un des plus grands matchs disputés ici au Floating Stadium. Ce qui n'a rien de surprenant, puisque c'est pour leur survie qu'ils se battent aujourd'hui. On est à 100%. Ça y est. C'est bon. Apportez le ballon jusqu'au terminal électrique. Ça, je m'en charge. Non, non. Moi, je m'en charge. Fais-toi plaisir, mon pote. Toute première fois de ma carrière. Là, je ne sais absolument pas quoi dire. Et que diriez-vous de... Regardez! Retour en surface du stade opéré avec succès. Perso, je dois le dire, j'en ai ras la froid, moi, de l'océan. Oh, ne m'en parle surtout pas. J'ai du mal à croire que j'ai pu être aussi obsédé par ce... Ah, t'entends que le team, hein? T'avais raison, Klaus. Ces trucs sont largement meilleurs que le buffet de fruits de mer. J'adore le sucre. Hé, hey, devine un peu quoi. Tentacule Team se cache dans l'obscurité des profondeurs... des boîtes de céréales. Norso. Liquido. Tous les deux, vous avez mis une sacrée pagaille. Et
Vous avez fait un super boulot pour tout remettre en ordre. Boum! On a réussi, bro. Ouais! On forme une équipe exceptionnelle, on dirait. Et sinon, quelqu'un connaît le score final ou pas? On a très clairement gagné. Oh, pitié! Si une équipe a dominé le match, c'est nous. T'as joué comme un chamouillé. Ça faisait du bien quand ça s'était arrêté. Va un peu raconter ça au beau trophée qu'on a pour le classement de la super...